Bonjour à tous, voici un nouveau projet qui va m'occuper pendant les 2 semaines qui viennent. C'est une étagère que vous voyez là, qui va être surmontée d'une passerelle qui va permettre un accès depuis une mezzanine existante dans une maison. C'est une maison ossature bois des années 80, je pense. Une belle ossature bois sur poteau-poutre. Cette première bibliothèque est constituée d'éléments assez imposants en section et en taille. Ça fait 2,60 m de haut. Les sections du pin vont être de 40 mm et ça va être surmonté de deux solives qui vont permettre d'installer un caillebotis en acier sur toute la longueur de la solive qui fait 3,42 m. Tous les assemblages vont être faits à queue d'aronde, aussi bien pour l'étagère qui supporte l'ensemble que les entretoises du solivage de la passerelle elle-même. Le garde-corps viendra dans un deuxième temps, je ne l'ai pas dessiné ici, ça sera l'objet d'un autre film qui viendra plus tard. Thank you.
Les olives sont fabriquées avec un contrecollé de pain 2 x 40 mm et j'en profite pour créer la feuillure de 30 mm en gros sur le dessus. N'hésitez pas à vous abonner à cette série de films pour avoir les différentes étapes du projet en cliquant sur la petite icône en haut à gauche. Merci.